J'ai commencé donc mon engagement il y a 3 ans sur la propreté. On a fait une page Facebook et on s'est aperçu au bout de quelques mois qu'il y a eu une adhésion de milliers de Marseillais. Le mouvement a pris une énorme ampleur. On s'est fait connaître de tous les politiques, de tous les vieux politiques locaux en tout cas. Et les élections arrivant rapidement, on a été contacté par tout le monde. À la base, bon, j'ai commencé à m'investir lorsque j'étais parent d'élèves, hein, où j'ai rencontré d'ailleurs Cécile Vigne. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça me permettait aussi de faire une action. Ça nous a permis d'obtenir la construction du lycée dans le 12e notamment. J'avais besoin de m'engager pour voir pourquoi on ne pouvait pas faire évoluer les choses, pourquoi d'autres villes de France évoluaient beaucoup mieux que Marseille. Et j'avais besoin personnellement de m'engager pour moi-même m'investir et essayer de faire changer les choses. Alors le 28 juin, nous sommes la seule liste citoyenne sur les 8 secteurs de Marseille qui a réussi ce tour de force d'être au 2e tour. Nous sommes aidés par une personne expérimentée, Robert Assante, qui nous guide, mais tous les autres membres de la liste sont des citoyens engagés dans des associations, dans des collectifs, ou même un simple citoyen engagé dans sa rue, dans son quartier. Et nous sommes la seule liste sans étiquette, hors des partis politiques, qui reste en lice. C'est déjà, pour nous, une très belle victoire.